Nous sommes en direct de Romillé pour vous présenter une nouvelle initiative solidaire Ecolocom. Éco comme équidée, locom comme locomotion. Je ne vous en dis pas plus, elle a créé son activité en tant qu'auto-entrepreneuse il y a près d'un an avec nous Marie-Laure Boulet. Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui vous êtes à la tête d'Ecolocom. Quelle est la vocation d'Ecolocom? La vocation d'Ecolocom, c'est de rassembler les gens autour d'animaux, donc avec moi c'est des équidés, et en lien avec la nature. Je développe des animations et des services localement à Romillé et les villages alentours. Donc des animations avec par exemple des interventions près de l'EHPAD, des centres de loisirs, des écoles. Je fais aussi des animations tout public chaque mercredi. Je propose une exposition ambulante et amusante avec la calèche et également avec mon poney et mon âne. Je propose aussi des animations individuelles. Je propose enfin des services en lien avec les commerçants de Romillé, des services de livraison, donc des produits des commerçants, et puis également des services de déchetterie où je transfère les déchets des particuliers mais aussi des professionnels vers la déchetterie. Eh bien, merci Marie-Laure. Merci à vous, Serge.